Finalement, ça aura pas été aussi efficace que prévu. Salut les viewers. Ah si, ça va. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Far Cry 5. On a un avion qui nous pourchasse. On va arriver juste au-dessus du truc, je pense, donc on va se poser ici. Voilà. Poursuivi par un avion alors qu'on fait du base jump, quoi. Et on se retrouve au niveau de la cache du chalet des Coopers. Il y a des bruits vraiment très bizarres tout autour de moi. Mais bien sûr. Mais je te hais. Non. Mes mecs. Un repop toi ou quoi? Oh! Oh! C'est quoi ce bol? Merci! Mouais. Ah là par contre c'est ma faute. Putain d'avion. Mais non mais ta mère en string sur internet quoi. Le débile ça bonhomme. T'as quoi? Mais c'est la base de tes potes. Débilos! Raté! Dommage, hein. Voilà! Moi aussi, je peux jouer à l'arc. Oh, d'accord! Les notes. Et quoi? Bouffer là-dedans. Ok, je prends ça. Ah ah! La voilà. Ah putain de loot, tu m'as foutu les boules de ma vie. Couillon. Hey, je vous vois sur la caméra. Attendez. Ah non. Ces enfoirés ont pillé tout ce qu'il y avait. Ils foutent le camp avec notre matos. Merde. Bah pourquoi vous partez pas? Pourquoi vous partez pas? Ben ça m'arrange hein mais... Oh tu m'as vu! Comme tu es fort! Mais non. J'ai pas fait d'un. Wow. Désolé! Non pas ça! Le mec a eu les... pétage de sa vie, bon bah c'est fini. Cache d'armes volées, cool, merci. Okay. Merci de ne pas avoir bougé, c'est... Revenez où vous, Sten. C'est adorable. Vous allez nous aider. Coucou. Content de vous voir. Putain, je suis content qu'on puisse utiliser ce matos au lieu de le laisser rouiller dans un bunker. Ça va bien nous aider, ça. J'arrive pas à croire que vous ayez eu ces mecs. J'étais sûr qu'ils se tireraient. Si on bah non. Gens comme vous ici, ils ont pas bougé en fait. Vous avez foutu la paix depuis longtemps. Encore merci pour votre aide. Et tout. On donnait un truc sympa. On... Tiens, genre ça là. Regarde. Provisions, tout ce qu'il faut pour combattre les fanatiques. Oh. Jacob Seed est à vos trousses. C'est bon de vous savoir à nos côtés aussi. Oui. J'étais bonjour madame. On s'en fout. Faut croire que vous êtes plein de surprises. T'as vu ça? Ce minable s'occupait de la sécurité au chalet. D'accord. Heureusement pour nous, il n'était pas fait pour ce boulot. D'accord. Il a terminé dans ma petite piscine. Ok. Apparemment, cet endroit est utilisé pour former les élus. D'accord. Si vous les avez vus à l'action, vous avez deviné qu'ils sont impitoyables. Oui. Vous savez ce que Jacob leur filait comme cible à l'entraînement? Et nous? Des êtres vivants. Plus facile. Comme pour ça, l'entraînement. Terminer les scrupules.
Ces enfoirés en ont rien à foutre de ceux qui ne sont pas dans leur secte. C'est une meute de chiens enragés. D'accord. On doit les éliminer. Pas de soucis. Alors vous allez vous rendre au chalet. D'accord. Vous allez tuer tous les élus que vous verrez. Ok. Vous allez farcir le bâtiment d'explosifs. Et ça me plaît. On regardera ce trou à rats se transformer en tas de cendres. Ça me plaît, mais tu vois, je vais t'annoncer un truc. Je pense que je vais me faire fléchetter la tronche au moment où je vais sortir. C'est mon avis, hein. On verra si je me trompe ou pas. Ah, l'enfoiré. L'enfoiré! L'enfoiré, suicide! Ah, l'enfoiré, je suis U. Je suis U de chez U. Merde! Connard! Non, tu ne mourras jamais! Et merde. Et merde. C'est l'heure de la discussion. La boîte. La... Aïe. T'en fais pas, tu seras bientôt loin d'ici. Tu pensais être libre? Comme tes camarades. C'est donné beaucoup de mal pour rien du tout. C'est pas très grave. Ça lui apprendra. Je te l'ai dit, t'as rien d'héroïque. T'es juste donc, utile. Il va encore m'envoyer ouais, quelque c'est part. C'est ça ton destin. Mais tu le connais depuis le début. Ok. Alors, est-ce qu'il va être à la fin de son pseudo psychotrope, son pseudo moment psychotrope ou pas? Selon vous. En tout cas. J'ai loupé. Excellent. Un tir. Ok. Aïe. D'être venu, au revoir. Oh, mon exécution. Merci. Tu regrettes tellement. Il en reste encore, hein, en haut. Bien. Ah bah les faibles. Et j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Ok. Oh, mon exécution. Je comprends toujours pas comment fonctionne ce système d'exécution aussi, mais bon, il va venir. Parfait. Je sais, on me le dit souvent. Pourquoi t'es pas explosé toi? Pourquoi ils explosent plus? Sacrifie les faibles. Bien, bien, bien. Pourquoi ils explosent plus? Encore? Il y avait un truc chelou à la... Ah. Je suis bloqué dans ma position. Ah. Vas-y, passe devant. Merde. Il y a pensé. Hey, y a que toi qui aurais pu l'approcher. Il y avait que toi. Je viens d'abattre ce mec-là. Confiance. Que toi depuis le début. Bien joué. Tu l'as fait. T'as réussi. T'as fait ton sacrifice. Mais maintenant,
Ah, c'est bien fait. Tu es seul. Et tu es faible. C'est hyper bien fait. C'est bien ce qui va t'arriver. Vous vous rappelez, j'avais dit qu'il avait pas un aspect cool. Il avait un équipement cool, une place cool, mais pas un aspect cool. Il avait un aspect très lambda. Et bah ça explique. Putain, je viens de faire une horreur monumentale. Oh putain! Non! Écoute-moi. Ah, c'est génial! C'était Jacob. Tu sais bien que c'est lui. Ronnie. Parker. C'est toujours comme ça. On le laisse faire à chaque fois. Vous retrouvez ce fils de pute. Retrouvez Jacob. Collez-lui une balle. Ou la prochaine fois que je vous vois. Je vous préviens. Et je vous tuerai moi-même. Oui, madame. À vos ordres, madame. Pour la première fois de votre vie, je vais vous obéir parce que vous m'en vous donnez l'ordre. Aussi parce que j'en ai envie. Je suis content de te voir. J'ai bien cru que j'allais devoir venir te chercher. J'ai cru que tu commençais à m'ignorer, mais tu es un... Ok. Ne pleure pas, Ellie. Il était faible et égoïste. Je lui ai laissé une chance de faire ses preuves. Il suffisait juste qu'il me cède ses White Tails. Ça nous aurait épargné bien des ennuis. Ah, histoire que vous comprenez. Ah non, c'est bon. Patico, j'ai l'impression de pas être en mesure de focus. De deux. Admettons ta puissance. Et ensuite, tu retourneras à défendre la veuve et l'orphelin. Les White Tails. C'est que des Jacob. Et toi non plus. Tu n'es rien sans Ellie. C'est. Ce serait bien que des Jacob. Allons-y, chers amis. Laisse-toi aller. Tu m'as bien servi. Oh non, je vais lutter comme tu m'auras jamais vu lutter, bonhomme. Alors ? Tu es plus fort que tu le crois. Mais tu auras beau me tuer, ça changera rien. Et ça me fera plaisir. C'est mon seul objectif. J'offre ma vie à Joseph. Et je le fais de mon cœur. Je suis son sacrifice. Ça me fait énormément plaisir. Tu n'as pas idée, mon ami. Enfin, mon ennemi. Tu n'es rien. Putain, je suis mauvais. Mettre le tapis de souris en place. Voilà, c'est bon. Le mec, il avait pas pu venir, quoi. Bonne chasse. J'ai pas compris qui m'a repéré. Ok. Plus que deux. Tu ne trouves pas ça drôle? Que tous les gens que tu essaies d'aider s'en sortent encore plus mal. Ellie. Pratt. Tu es une tragédie ambiante. J'ai pas eu le temps. Si désolé. Tu veux protéger les gens, jouer les héros, tu te donnerais la mort. Mais bien sûr. C'est plus sûr pour tout le monde.
Inutile. Et plus qu'un. Le destin. Oh oui. Je vais me faire un petit plaisir. Ok, j'ai pas réussi à faire comme je voulais. Hop là. Oula. Oula, c'est moi qui... Le caribou? Chasser le caribou? C'est ça que tu veux que je chasse? Bon, c'est pas grave. Bon, et maintenant, j'imagine qu'on... Alors, si on l'a eu suite à ce petit effet spécial à la bombe... Ah, bah voilà. Voilà. Ouais, bon bah... Bonjour le loup. Je voudrais pas avoir à faire ça le loup. Limite. Est-ce que tu crois que je peux t'avoir de là? Oui, je peux. Et oui, c'est bien lui. Un peu loin, je pense. Vous savez quoi? On va la voir au plus tôt. Je veux qu'il ait peur de moi quand je vais venir. Je veux que t'aies peur de moi quand je vais venir. Tu m'entends? Bon, il est bon avec son sniper. Oh! Bon, finalement. Oh! Bah vas-y, monte là ta tête! Voilà. Aïe. Mais bien sûr. Tire à travers les cailloux maintenant. Moi aussi je peux le faire, hein. Stop les... Et t'es mort! T'es mort connement! Mou du genou, j'allais dire... J'avais savais même pas ce que j'allais dire. Mon frère avait tout compris. Je sais pas s'il parle au Seigneur. C'est pas important, il a vu juste. Ça fait mal? L'humanité J'espère bien. Est à nouveau... En crise. Peu importe. Ce qu'on peut faire ou construire, on trouve toujours un moyen de tout détruire. Babylone, Rome, les empires se font, les empires se défont, et pour l'Amérique, ce sera pareil. On se croit tellement invincible. Les guerres mondiales. Le terrorisme. On croit survivre, mais ça nous rapproche juste un peu plus de l'abysse. Et cette fois, on y est. On est pile à l'heure. On attend juste que quelqu'un nous pousse. Et putain, tu pousses de toutes tes forces. T'as fait exactement ce qu'il attendait. Et tout ça sans même t'en rendre compte. Prévisible. Il se marre. Ah, l'enfoiré. Bon. Un de plus au compteur, hein, comme on dit. Juste histoire d'être sûr.
Je peux pas, dommage. L'officier Pratt et un paquet de Wild Tales sont enfermés dans l'armurerie de Jacob. Faites vite, on compte sur vous. L'armurerie ? Ok les amis, direction l'armurerie ! Et tout est bon ? Oui, tout est bon. Et c'est parti ! Gros gros bug. Double gros bug. Maître Jacob vous ouvrira la porte, mais ensuite ce sera plus dur. Ils vous attendront de pied ferme. Il y avait des plans de cet endroit. Je vais les étudier. Je trouverai peut-être où il cache Pratt. En attendant, restez sur vos gardes. C'est parti ! Permettez que j'atterrisse en douceur. Je pensais avoir bombardé l'endroit, les mecs. Sans vouloir vous vexer, hein. Hop là. Tu crois que tu peux t'en tirer comme ça ? Je sais. Touché. Utilisation de la clé. Vous entendez ces mots, c'est que l'effondrement a eu lieu. C'est parti ! On va garder le shotgun, c'est très très bien. Deux coups par deux coups, mais c'est pas grave. Tes âmes ! J'imagine que tout l'endroit est verrouillé. Et si vous commencez par là, vous devriez pouvoir tout ouvrir avec la clé de Jacob. Bonne chance. Ok. Ça va être sympa, ça. Le mec est brave, hein. Ah, ça aura servi à rien. Ah merde, je savais pas que t'étais juste là. Excuse-moi. Vive les bugs. Quoi, c'est les douches? Oups, c'est pas les douches. Je me rends compte seulement maintenant que les douches dit comme ça, ça fait bizarre. Ah d'accord, le mec tournait en rond en fait des poupées. J'arrive. Merde, c'est l'assassin de Jacob. Hop là. Un vu là. Oh, des munitions. Ok. Très bien. Mitrailleuse lourde, voie une note. Coucou. Quel est... Ah bon, si. La pire chose que tu pourrais être. On va être là, non? Tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu non plus.
Merde, c'était tout près. Ah non, c'était juste là en fait. T'as rien vu, lui, t'es complètement aveugle, bonhomme. Hein. Si je puis me permettre. Mmh. Personne ? Ok, c'est chelou. Des âmes ? Ouvre. Ça va ? Pardon. T'es réel. Pardon. Est-ce que t'es réel ? Non ! Je suis un joueur en pixels. Je suis désolé. Vive Ready Player One. Non ! Non ! Non ! Voilà. Me tue pas. Pitié. Pardon. Il a dit que j'étais faible. Pitié. Pitié. Que je méritais ça. Pitié. Je suis désolé. Il a peut-être raison. Non. Non. Peut-être que je le mérite. Non. Peut-être bien. Non. Voilà. Ah. Un petit coup de sledgehammer. Alors, en vrai, après un coup comme ça, le mec, il vole un petit peu à droite à gauche. C'est ce qu'on appelle l'entraînement. Il est vénère, hein. Oulala. Oulala. John Rambo. C'est Rambo, hein. C'est John Rambo là pour le coup. Et s'il arrive à la fin de Rambo 2, il fait plus ou moins ça. En plus, il a plus ou moins la coupe. Est-ce que c'était pas fait exprès, tiens? Peut-être. Ok, c'est parti. On ne s'arrête plus. Tout le personnel est immédiatement évacué. Par où ? Comment t'as survécu ? Mais où ? Je crois que je m'arrête là ? Pourquoi on descend ? C'est pas bon signe. Hop, là, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu, te dis. Tu n'as rien vu. Vous n'avez rien vu. Rien vu. Garçon Gaston. On rappelle les vieux Metroid où il fallait sortir à la fin. Je sais pas si vous avez connu ça, vous. Enfin bon, c'était rigolo. Les âmes. Rejoignez la zone sécurisée. Mettez-vous en rang. C'est tellement ça. Hop là. Boum. Kaboum. D'accord. Bon, bah, de deux bunkers, hein, pétés, hein, celui de Fess et celui de Jacob. Et re-feu d'artifice et re-drapeau. Bon. Voilà une bonne chose de faite.
On s'est tous retrouvés dans la région pour différentes raisons. Mm-hmm. Mais ce qui nous a réunis... Mm-hmm. C'est le deuil. Waouh, c'est la joie. Ah oui, c'est un enterrement. Merde, enfin, c'est une incinération. Autant pour moi, Qui-Gon Jinn va enfin brûler. Des amis. Des amours, des emmerdes. Il va faire une autre famille. Il nous a montré que... qu'on ne pouvait compter que les uns sur les autres. C'était mon ami. Et il va beaucoup me manquer. Gros barbec, hein. C'était pas vous, Ellie le sait. Ellie pensait qu'on pourrait attendre. Patiemment. Ah. Eden's Gate allait disparaître. Ah. Mais non. Ils sont foirés. Le cancer, ça meurt pas. Ça s'étend. Ça se répand. Il faut l'extraire. Ouais. Ces enfoirés de fanatiques pensent que la fin du monde est proche. Ils ont raison. C'est la fin de leur monde. Et on s'arrêtera pas tant que tous ces enfants de putain ne s'allongeront pas au bout d'une corde. That's right. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait le choix de traduire tout ce qui est dialogue de foule en fait. Mes enfants. Et de deux. Un seau a été ouvert. Mon frère Jacob était un guerrier. Il a combattu mes parents. Combattu le gouvernement. Et même moi. Mais surtout, il s'est battu contre lui-même. Les démons qu'il a ramenés de la guerre l'ont consumé. Il a cru être devenu un soldat sans idéal. Il se voyait comme un guerrier sans héritage. Mais regardez-vous. Vous êtes cet héritage. Chacun de vous prêt à protéger notre famille de l'effondrement. À chasser tous les impies qui nous tourmentent. C'est votre mission, mes enfants. Vous devrez chasser tous les impies qui nous tourmentent. La mort de Jacob n'aura pas été vaine. Il était un petit peu moins prenant que son premier speech. Après, je pense que peut-être que des gens qui ont fait l'armée, qui ont vu là, des choses horribles comme la guerre, aura peut-être un dialogue différent du mien. Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Je l'ai trouvé moins prenant, peut-être. Non pas que la drogue était plus proche de ma vie, hein, que la guerre. Bien au contraire. Je pense que la guerre, elle est permanente maintenant. Blessure de guerre. 0 RP. Et ben ça fait 2 servants, entre guillemets serviteurs, tout ce que vous voulez, qui ont été abattus. Je croyais qu'il nous restait... Ah oui, John, oui, effectivement, il nous restait John. Et enfin, il y aura à la fin, normalement, notre dernier Joseph, mais bon. On avance plutôt bien, je dois reconnaître qu'on avance plutôt bien. À voir maintenant... ce qu'on peut faire dans la Holland Valley. On se retrouve dans le prochain épisode, pardon les amis, pour justement affronter ce nouvel ennemi qui est John. Le pasteur Jérôme et Marie May mènent le combat. D'accord. Bon bah écoutez les amis,
Moi, je vais me déplacer jusqu'ici et je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de cette aventure. Je suis encore un petit peu sous le choc des différents dialogues qu'on a pu entendre. Je suis en train d'y réfléchir, d'y interpréter, mais j'ai du mal à trouver plus d'interprétations finalement. Encore une fois, comme je le disais, peut-être que l'aspect guerre, n'ayant pas fait la guerre entre guillemets, on n'a peut-être pas autant de facilité à juger ce genre de choses. En tout cas, les amis, je vous retrouve dans le prochain épisode pour la suite de l'aventure de Far Cry 5. Salut les gens et yop!